sur le lien que je vous ai envoyé, donc monclasseurdemaths.fr, c'est le lien du site de Jean-Yves Labouche, professeur à Taipei. Vous trouverez des exerciceurs GeoGebra. Donc, vous arrivez là-dessus, voilà, mon classeur numérique, anglais rapporteur. Vous avez quelques petites vidéos qui vous reproduisent ce que vous, normalement, vous connaissez. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les 9 exercices autocorrectifs sur GeoGebra. Comment ça fonctionne? Ici, donc, vous avez la flèche de déplacement des objets que vous avez créés. Ici, création de points. Vous ne pouvez faire que ça. Là, point d'intersection. Ici, créer un segment d'une longueur donnée. Ici, créer une demi-droite avec deux points connus. Ici, un cercle avec un centre et un rayon. Ici, construire un angle. Ici, mesurer un angle. Et ici, créer une figure. Donc là, c'est un trigone, donc un triangle. On vous demande de reproduire la figure ABC. La première chose que je vais placer, je vais placer mon point B par exemple. Mon point A, je vois qu'il est à 4,5 cm de mon point B, donc je rentre 4,5. Je vais l'orienter un petit peu. Voilà. Donc pour l'orienter, si j'ai envie de le bouger, je peux le bouger comme ça, ou alors le bouger, voilà, ici. Je prends ça, mon premier. Voilà. Ici, ensuite, on me demande de créer un angle de 42 degrés. 42 degrés. Donc ici, je me mets là. Je choisis ma première demi-droite, celle-là. Est-ce que je vais dans le sens horaire ou anti-horaire? Alors le sens horaire, c'est celui-là. D'accord? C'est le sens des aiguilles d'une montre. Et le sens anti-horaire, c'est celui-là. Je remonte. Là, je pars d'ici. Et je descends dans le sens horaire, donc 42 degrés, sens horaire. Et vous voyez, il m'a mis un point ici. Donc ça veut dire que je suis sur la demi-droite. Ce point, il est sur la demi-droite, qui va me permettre de caractériser mon angle de 42 degrés. Ce que je vais construire, c'est ma demi-droite tout de suite. D'accord? Maintenant, il va falloir que je passe un point sur cette demi-droite qui soit le point C, qui soit à 5,2 cm. Donc ici, je vais sélectionner, donc ici, et 5,2 cm. Alors, donc ça m'a tracé quelque chose que je vais ramener tranquillement. Voilà, avec 42 degrés. Et là, normalement, je vais sélectionner celui-là et je vais construire. Voilà. J'ai construit mon triangle ABC, A, B et C. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez, vous pouvez le faire directement sur GeoGebra. D'accord? Pour ceux qui le. Donc, hop, ici je fais ça. Merci.